remercier d'être aujourd'hui venus nombreux à cette conférence de presse. Je voudrais d'abord excuser, n'est-ce pas, le collectif des avocats, parce que nous vous avions invité évidemment pour midi, et nous sommes midi passé, et vous avez été patients jusque-là, vous êtes restés. Vraiment, je voudrais d'abord vous remercier en mon nom et au nom de tous mes confrères. Et vous dire que nous avons voulu faire cette conférence. Nous ne sommes pas tous présents parce que pour des contraintes, certains de nos confrères ne sont pas là, mais ils sont de tout cœur avec nous et ils assument aussi évidemment tout ce qui va être dit à cette conférence. Je voudrais que cette conférence, les propos liminaires ne soient pas très longs parce qu'en réalité, c'est vraiment pour que chacun et chacune comprenne le sens et le verdict qui a été rendu au cours de l'audience que nous avons eue au palais de justice dans le dossier donc, de notre client qui est le député Alain Lobonnet. Donc cette conférence va consister d'abord à ce que nous fassions un point de l'audience du mercredi dernier au palais et ensuite nous allons par une sorte de série de questions-réponses donner la possibilité aux uns aux autres, à ceux qui n'ont pas compris, de vraiment avoir, je dirais, plus d'explications et peut-être avoir une vue globale, évidemment, du dossier. Donc, cela étant, je vais passer la parole à Maître Diallo, qui est donc, qui va expliquer les différents points juridiques. Et puis, Maître Diarasuba et moi-même, évidemment, nous allons reprendre ces différents points s'il y avait besoin de le faire dans le cadre des questions que vous allez nous poser. Merci bien, Maître Nouba. Je voudrais également vous dire merci d'être venu nombreux à cette invitation. Effectivement, le 29 janvier dernier, s'est déroulé le procès de notre client, Alain Lobonnet, poursuivi par le procureur de la République pour des faits de divulgation de fausses nouvelles et d'incitation à la violence. C'était les principaux faits que le procureur de la République reprochait à notre client. Nous sommes venus nombreux, les conseils de M. Alain Lobonnet, à l'entame du procès. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de notre volonté, et c'est le point de bémol de ce procès en ce qui nous concerne, on a dû, on va dire quelque part, contre notre gré, surseoir à notre participation à l'audience, côté de notre client. Des questions techniques et de procédure avaient été posées au tribunal. Malheureusement, le tribunal ne nous ayant pas suivis, nous avons estimé que les suites de la procédure n'auguraient pas le lendemain meilleur, même malgré notre présence. C'est pour ça, de façon unanime, après concertation, puisqu'on avait même demandé au tribunal de nous permettre de nous concerter afin de savoir si nous continuions ou non le procès, tant que cet écueil technique et procédural que nous avions posé n'était pas réglé. On a dû, comme je le disais tantôt, contre notre gré, surseoir notre participation à l'audience. En le faisant, nous avions espéré, en nous appuyant sur les règles de procédure, que le tribunal allait permettre à nos clients soit de se constituer un avocat, soit directement le tribunal et les conseils discuter pour savoir si nous continuons à assurer la défense de notre client, malgré la réaction que nous avions eue. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. On avait même l'impression que le fait que nous nous déportions de cette audience était quelque chose d'attendu et de souhaité par les autres acteurs, c'est-à-dire le procureur et la formation de jugement. Ça peut être une impression. Je ne dis pas que c'est exactement ce qu'il était. Alors,
pour dire, au bénéfice de tout ça, notre client s'est finalement retrouvé seul à l'audience, sans avocat. Et pour ce qu'il nous a rapporté par la suite, il a revendiqué son droit de garder le silence. Et donc, on va dire que le procès, en tout cas, si ce que notre client nous a dit est exact, s'est déroulé avec simplement la version du procureur concernant les faits qui lui étaient reprochés. Cela est dommage. Parce que notre client, on peut vouloir le banaliser comme on veut, mais un fait est indéniable. C'est un ancien membre du gouvernement. C'est un député en exercice. Ça fait de ces deux qualités font de lui, on va dire, un justiciable hors du commun. On n'a jamais, mais vraiment au grand jamais, déclaré ou soutenu que notre client était au-dessus de la loi ou qu'il était, il bénéficiait d'un régime d'irresponsabilité face à ses actes, par rapport à ses actes au regard de la loi pénale. On a simplement et on a toujours soutenu que compte tenu de son double statut d'ancien membre du gouvernement et de député de la nation en fonction, il fallait tout simplement respecter les règles de procédure, les règles de droit qui sont attachées à ces statuts-là. C'est tout. On aurait respecté ces procédures, respecté ces règles de droit, on serait dans un procès qu'on va dire ordinaire et normal. Le débat a eu lieu sur la procédure de flagrant délit. La loi est très claire. Vous avez l'article 92 de la Constitution ivoirienne parlant de l'immunité des députés qui dit que hors session, l'alinéa 2 de l'article 92 de la Constitution, hors session, un député ne peut pas être arrêté et poursuivi sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit. Le cas de flagrant délit doit être dissocié de la procédure de flagrance. Et ça, on l'a démontré, on l'a expliqué en maintes reprises. Tous les cas de flagrant délit ne donnent pas lieu à une procédure de flagrant délit. Sur vous, un exemple tout bête, vous assassinez quelqu'un. On vous prend la main dans le sac. On ne va pas vous juger selon la procédure de flagrant délit. Parce que vous aurez commis un crime flagrant. C'est une infraction flagrante. Il y a une procédure spécifique. Il y a une instruction judiciaire qui se fait et puis on vous présente devant une cour d'assises selon la loi de procédure pénale qui nous régit jusqu'à présent. Donc une infraction commise en cas de flagrant délit ne donne pas lieu à une procédure, ne donne pas lieu automatiquement à une procédure de flagrant délit. Vous pouvez même commettre une infraction, non pas dans le cas d'un cas de flagrant délit, que le procureur de la République, s'il estime qu'il y a suffisamment de charges contre vous pour vous poursuivre devant le tribunal des flagrants délits, vous allez être l'objet d'une procédure de flagrant délit. Donc, il ne faut pas confondre le cas de flagrant délit et la procédure de flagrant délit. Parce qu'une fois que vous faites une confusion à ce niveau, vous faussez toutes les règles du jeu. Un député qui est pris en cas de flagrant délit, l'article 53 du code de procédure pénale a défini les cas de flagrant délit. Vous venez de commettre un crime, on vous retrouve une infraction, crime ou délit, une infraction, vous commettez une infraction, on vous retrouve dans un temps voisin à cette infraction, avec les traces de la commission de cette infraction, c'est un cas de flagrant délit. À la suite d'une infraction, vous êtes poursuivi par la clameur publique. On considère que c'est un cas de flagrant délit. Dans certains cas, le chef de famille, quand il appelle quelqu'un à son domicile pour dire voilà, une telle personne est en train de commettre une infraction, c'est un cas de flagrant délit.
dans le cas de notre client, on lui reproche d'avoir, divulgué suivant un tweet, une fausse information concernant un de ses collègues députés, présentement poursuivi par le procureur de la République devant un magistrat d'instruction, devant un juge d'instruction. Les faits se sont déroulés un jour, trois jours plus tard, on a décidé d'engager en son encontre une procédure de flagrant délit, sous prétexte que, à la suite du tweet, des troubles se seraient produits. Voilà la réalité. Où est, dans quel cas se trouve notre client? Est-ce qu'il est en train de commettre l'infraction au moment où on le poursuit? Où les poursuites ont été engagées? Les poursuites ont été engagées, selon les déclarations du procureur, trois jours après. Et c'est le procureur qui est passé devant les médias pour indiquer que lui, il a demandé à une unité d'enquête, notamment la brigade des recherches de la gendarmerie nationale d'Abidjan, de se saisir de l'affaire pour entendre et engager une procédure de flagrant délit contre votre client. Le flagrant délit, au regard de tout ce que j'ai expliqué, ne se proclame pas. Le flagrant délit ne se proclame pas. Il est constatable, il est matériel. Donc, nous avons estimé que le cas de flagrant délit, notre client n'était pas dans un cas de flagrant délit. Et ça, c'est patent, c'est palpable, c'est vérifiable. Même si nous étions dans un cas de flagrant délit, eh bien, le cas de flagrant délit qui est déféré au procureur, et lorsqu'il veut le poursuivre, le cas de flagrant délit doit être jugé avec célérité. Parce que la personne qui est poursuivie en matière de flagrant délit est supposée avoir été pris la main dans le sac. Donc, on ne se pose plus beaucoup de questions quant à engager les poursuites contre la personne. C'est pour ça que le législateur, dans les dispositions de l'article 382 et suivant du Code de procédure pénale, a indiqué la voie. La personne doit être, lorsqu'elle est placée sous mandat de dépôt, traduit sur le champ. La loi dit sur le champ, c'est un ordre, un impératif. Il est traduit sur le champ devant le tribunal des flagrants délits du tribunal. Si le jour où il a été déféré, on ne peut pas le traduire devant le tribunal des flagrants délits, il est traduit le lendemain. Au besoin même, la loi dit, article 383 du Code de procédure pénale, on convoque spécialement le tribunal pour venir le juger. Si le lendemain, il n'est pas possible de le juger en flagrant délit, alors il s'offre au procureur de la République une seule alternative, celle de saisir un juge d'instruction pour mener la suite de la procédure. Notre client a été déféré le 16 janvier. Le 16 janvier, au moment où on les déférait, il s'est tenu au tribunal de première instance d'Abidjan, une audience de flagrant délit. On ne l'a pas déféré devant l'audience, à cette audience de flagrant délit. Le 15 janvier, je m'excuse, je rectifie, le 15 janvier. Le 16 janvier, il s'est tenu également au tribunal d'Abidjan une audience de flagrant délit. On n'a pas déféré, on n'a pas jugé bon de déférer notre client à cette audience. C'est seulement le 29 janvier, soit à peu près deux semaines plus tard, qu'on le traduit devant le tribunal des flagrants délits. Mais entre le 15 janvier et le 29 janvier, en vertu de quel droit ou de quel titre notre client était détenu à la MACA? Voilà un certain nombre d'actes et de faits qui ont été opposés à notre client et qu'on avait souhaité porter ça à la connaissance de la formation du jugement. Je vous dirai également un mot sur son statut d'ancien membre du gouvernement. Il y a une loi de 2005 qui
qui a été édicté à l'attention des anciens chefs d'État, des anciens chefs ou présidents d'institutions nationales et des anciens membres du gouvernement. C'est la loi 2005-201 du 16, je crois, juin 2005. Voilà la loi. Une copie. Du 16 juin 2005. Cette loi est très claire. Et je vais vous faire lecture des cas de ce qui est prévu. Parce qu'aujourd'hui, avec le précédent Alain Le Bougnon, cette protection légale qui n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, qui existe dans tous les pays vraiment soucieux du respect des règles et du respect de certaines fonctions, ont pris cette loi ou des lois, une loi similaire. Elle existe aussi bien en France, aux États-Unis que dans certains autres pays. Ce n'est pas une loi qui est propre à la Côte d'Ivoire. Cette loi protège les hauts agents et fonctionnaires. Enfin, elle ne protège même pas. On a fait un aménagement de procédures pour les hauts représentants et hauts agents, hauts serviteurs de l'État de Côte d'Ivoire, les hauts fonctionnaires, des personnes qui ont occupé les hautes fonctions en Côte d'Ivoire. Donc avec le précédent de Alain Le Bougnon qui est en train de se faire, on va remettre en cause les acquis ou du moins l'esprit de cette loi. La loi dit quoi dans son article 42? La loi 42, c'est d'abord 42. Cette loi parle du statut pénal des anciens membres du gouvernement, de l'immunité. Tout le monde très bien parce que c'est important. Il ne faudrait pas qu'on confonde ce que l'immunité et l'irresponsabilité ou ce qu'on n'a pas dit, avec ce qu'on n'a pas dit. L'article 42 dit ceci. L'ancien membre du gouvernement ne bénéficie d'aucune immunité de juridiction pour les infractions par lui commises postérieurement à l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire, quand vous êtes un ancien membre du gouvernement, après vos fonctions, si vous commettez une infraction, vous ne bénéficiez pas d'immunité. Aucune immunité. L'alinéa 2 de cet article 42 dit, toutefois, la poursuite ou l'arrestation de l'ancien membre du gouvernement est soumise à une procédure spéciale. Vous n'avez pas d'immunité. On peut vous poursuivre, mais selon une procédure spéciale. L'article 43 poursuit pour dire la procédure applicable en matière de poursuite ou d'arrestation d'un ancien membre du gouvernement est celle prévue au titre 9 du Code de procédure pénale pour les crimes et délits commis par les magistrats et certains fonctionnaires. Une loi, le code de procédure pénale a prévu une procédure spéciale pour poursuivre les magistrats lorsqu'ils commettent une infraction. Mais en plus des magistrats, certains fonctionnaires bénéficient également de cet aménagement procédural au niveau du code de procédure pénale. L'article 44 dit les dispositions des articles 6 et 7 de la présente loi s'applique mutatis à l'ancien membre du gouvernement. L'article 6 et 7 de la présente loi s'applique mutatis à l'ancien membre du gouvernement. Mutatis veut dire simplement que vous prenez la personne concernée par l'article 6 et 7, vous la remplacez, vous faites une mutation. C'est-à-dire vous changez simplement la dénomination de cette personne-là avec la dénomination de l'ancien membre du gouvernement. Donc je vais vous lire pour faire court l'article 7. L'article 7 auquel nous renvoie l'article 44. L'article 7 dit ceci. Il ne peut être entrepris de poursuite contre un ancien président de la République. Donc on remplace président de la République par ancien membre du gouvernement par application des dispositions de l'article 44. Suivant la procédure de flagrant délit, sauf le cas d'atteinte à la sûreté de l'État. La seule infraction pour laquelle un ancien membre du gouvernement, un ancien président ou chef d'institution nationale
ou un ancien chef d'État peut être poursuivi selon la procédure de flagrant délit, eh bien, c'est le cas d'atteinte à la sûreté de l'État. Cet article est là, nonobstant toutes ces évidences, on a quand même poursuivi le client. Selon la procédure des flagrants délits. Vous savez, en matière correctionnelle, vous avez le tribunal correctionnel qui est présidé par le président du tribunal ou un vice-président et qui connaît de toutes les infractions qu'on peut commettre, enfin de tous les délits et contraventions qu'on commet. C'est un tribunal qui est saisi par voie de citation directe ou par le fait d'un renvoi d'une saisine par le juge d'instruction à la suite d'une information judiciaire. La procédure de flagrant délit est la seule procédure que le procureur met en mouvement. C'est la seule procédure que le procureur engage, enfin, qui est engagée à l'initiative du procureur. N'importe lequel de vous parmi nous ici ne peut pas engager une procédure de flagrant délit. Personne, même le juge d'instruction, ne peut pas engager une procédure de flagrant délit. Une audience ne peut pas mettre une audience de flagrant délit en mouvement. C'est une procédure, on ne va pas dire exceptionnelle, mais qui tranche avec la procédure de correctionnelle ordinaire. En France, on appelle ça la procédure de comparution immédiate. C'est généralement, on vous juge, comment on dit quoi, rapidement, vite, vite. Immédiatement. Alors, pour éviter à ces hauts fonctionnaires, ces hautes personnalités, le fait d'être traduit vraiment pêle-mêle devant un tribunal correctionnel de flagrant délit, qui peut être présidé par n'importe lequel des juges du tribunal qui aura été désigné à cet effet par le président du tribunal. On a estimé que il fallait que ce soit cette juridiction, on va dire un peu plus solennelle, on va dire un peu plus sereine, parce qu'elle n'est pas mue par un objectif de temps ou de délai, que ces personnalités soient traduites devant une telle formation. En matière de flagrant délit, vous êtes jugé normalement dans les 15 jours de votre présentation à un juge ou à un tribunal. Dans notre cas d'espèce, comme je vous l'ai dit, notre client est venu au palais le 15 janvier. Il a été présenté à un procureur le même 15 qui a décidé de le placer sous mandat de dépôt et de le clouer à la maca. C'est seulement le 29, soit 14 jours plus tard, qu'il a été présenté devant un tribunal. Et le tribunal des flagrants délits. Qui lui ne peut être saisi que le jour ou le lendemain du jour où tu viens au tribunal, en qualité de mis en cause ou de prévenu. Donc, au regard de tout ça, comme je le disais tantôt, nous avons estimé qu'il était important que des observations que nous avions élevées contre la capacité du tribunal des flagrants délits, le pouvoir du tribunal des flagrants délits de connaître de cette affaire, étaient mises à mal. Et pour nous, c'était des questions importantes. On n'a pas été suivi. On s'est déporté. On n'a jamais été, comme on a entendu sous d'autres cieux, récusé ou expulsé de la salle. Non, c'est nous, le conseil, comme un seul homme, avons décidé, après concertation, et dans l'intérêt de nos clients, qu'il n'était plus bon de continuer notre participation à ce procès-là, jusqu'à ce que un certain nombre de règles qui gouvernent un procès puissent être unanimement acceptées et respectées. Malheureusement, on n'a pas été entendu et notre client a été, sur la base de tout ce que je vous ai dit, condamné, jugé et condamné selon, en tout cas vraisemblablement, la seule version du procureur de la République sur les faits. Il a écopé d'une peine d'emprisonnement de 12 mois
nous avons toujours foi en la justice de notre pays. Et c'est pour cette raison que nous avons relevé appel de cette décision. Il ne nous appartient pas, quels que soient les griefs que nous pouvons avoir contre le jugement qui a été rendu, de nous exprimer par voie de presse sur ce point-là, critiquer cette décision par voie de presse. La cour d'appel est un espace approprié pour faire nos critiques. Et c'est ce que nous avons décidé de faire et nous avons foi. Nous avons entière confiance en la justice de nos pays. Nous sommes avocats et nous espérons qu'au terme de cette procédure, une décision juste, droite et bonne va être rendue. Il y a une personnalité politique de ce pays qui occupe une fonction assez importante que je ne citerai pas parce que c'est un contemporain, qui aime dire, et je pense qu'il a raison, que les décisions de justice ont fait plus de mal à la Côte d'Ivoire que les balles et les bombes. Et qu'il est bon que la justice réconcilie tous ceux qui peuvent être opposés de quelque manière que ce soit pour que nous ne connaissions plus jamais les affres d'une crise. C'est dans cette voie que nous nous sommes inscrits. Et donc, voilà un peu, grosso modo, ce que nous pouvons dire concernant notre déport de cette affaire. S'agissant des faits qui sont véritablement reprochés à notre client et qui vont être évoqués devant la cour d'appel, je pense que très bientôt, nous espérons que l'audience de la cour d'appel sera programmée dans les plus brefs délais. Encore une fois, malheureusement, la programmation de l'audience d'appel ne dépend pas de nous. Nous avons relevé appel au lendemain de la décision, c'est-à-dire le 30. Il appartient au juge qui a rendu la décision de rédiger sa décision, parce qu'il ne suffit pas de la prononcer, il faut la rédiger. Rédiger la décision pour que le procureur, une fois saisi de cette décision et de notre acte d'appel, ce qui est déjà fait, puisse saisir la cour d'appel pour qu'une audience soit programmée. Il n'y a pas de délai, on va dire, impératif, mais nous espérons que, compte tenu du doux statut de notre client, les autres acteurs seront diligents, que le président tribunal, enfin le tribunal va rédiger rapidement la décision et que le procureur de la République va saisir la cour d'appel d'Abidjan pour que vraiment on connaisse de cette affaire dans les plus brefs délais. C'est de ça que, enfin, c'est notre souhait le plus ardent. Et voilà, sous réserve de vos questions, Maître Diarra Souba pourra vous dire son point de vue sur également le déroulé de la procédure. Merci, Maître Diallo. Avant qu'on ne passe à la deuxième étape qui consistera en des réponses, de questions-réponses, comme je vous l'ai indiqué, je veux quand même juste faire un petit résumé de ce qu'il a dit, qui est très important. Parce que il y a eu tellement de choses qui ont été dites, comme on vous l'a rappelé. On nous a dit que notre client se croyait au-dessus des lois. Mais Maître Diallo vous a très bien expliqué de quoi il s'agissait. Il a fait un tweet. C'est important de le dire. Il a fait un tweet. Et en tant que tel, ce n'est pas le tweet qu'il a fait qui pose problème. C'est plutôt les conséquences du tweet. On est d'accord. Mais ces conséquences, encore faut-il que ces conséquences-là soient juridiquement condamnables. Je ne sais pas si on se comprend. Or, qu'est-ce que nous dit le procureur? Il a fait un tweet dont les conséquences ont entraîné un trouble à l'ordre public. Et on vous a expliqué très clairement qu'en aucun cas, le tweet qui a été fait par notre client n'a pu avoir comme conséquence les troubles à l'ordre public. C'est important. Donc si ce n'est pas le cas, on va nous dire que c'est juste parce qu'il fait un tweet
qu'il peut être condamné, qu'il peut être d'abord poursuivi et ensuite condamné et enfin écroué. Donc il y a quand même un problème. Et c'est tous ces aspects-là que nous avons soulevés devant le juge. Ensuite, nous avons mis en cause la compétence du tribunal. La compétence du tribunal pour connaître même de l'affaire. Et à ce titre-là, nous avons soulevé des exceptions de nullité. Donc nous demandions au juge de se prononcer sur ces exceptions avant de vouloir rentrer même dans le fond du dossier. Parce que dès l'instant où nous, on soulève la compétence du juge, il n'a même pas à se prononcer sur le fond. Puisque la compétence, c'est-à-dire sa compétence matérielle, fait partie d'une règle d'ordre public. Il faut d'abord qu'il se prononce sur ça et nous dise oui ou non s'il est compétent et auquel cas maintenant, à ce moment-là, il y aura une décision et nous, nous estimons effectivement qu'il se recuse du dossier parce qu'effectivement, il n'est pas compétent. Mais on n'a pas eu gain de cause, comme l'a rappelé effectivement Maître Diallo. Et enfin, ce qui est quand même grave et que je tiens à souligner pour que vous-même vous puissiez aussi vous rendre compte de cette gravité, c'est que notre client a été condamné sans avoir eu l'assistance d'un avocat. Or, justement, l'assistance, ou je dirais le droit à avoir donc l'assistance d'un avocat, fait partie des droits de la défense. On ne peut pas condamner un client en l'absence de son avocat. Ce que le président du tribunal aurait pu tout au moins faire, c'est de dire « Je suspends l'audience jusqu'à ce que M. Alain Le Bonnion, député, se trouve un autre conseil, puisque ceux qui sont partis, ce sont ceux qui se sont déportés plutôt, ne sont plus là actuellement. » Mais ça n'a pas été le cas. Il y a plusieurs avocats qui auraient pu. Mais il n'a pas demandé ça à notre client. Il a rendu sa décision, effectivement, sur la seule version du procureur. Et c'est très, très grave ce qui s'est passé. Donc, il était important de vous le rappeler. Et je pense que dans le cadre des questions-réponses, à ce moment-là, Maître Diarasouba, Maître Diallo, enfin, chacun interviendra pour que vraiment puissiez vous rendre compte que les avocats que nous sommes, nous avons simplement demandé effectivement à ce que notre client ait droit à un procès équitable. Et ce que nous demandons, ce sont le respect des droits de la défense. Donc, messieurs. J'ai des questions. Oui. Allez-y. Est-ce que vous estimez que ce procès et cette condamnation sont illégaux au regard des lois ivoiriennes, de la Constitution, de l'immunité parlementaire de député Le Bonnion? Merci, Maître Diarasouba. Je dirais tout de suite que la décision qui a été rendue n'est pas conforme à la loi ivoirienne. Elle n'est pas conforme également à la Constitution. Ce que je voudrais relever et qui me paraît très important, tant qu'avocat à côté du député Alain Le Bonnion, s'inscrit dans notre volonté de voir asseoir un état des droits, de voir respecter les principes démocratiques qui sont issus de la Constitution. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'Alain Le Bonnion, il s'agit de l'expression des opinions, l'expression d'une liberté consacrée par la Constitution. Vous ne verrez pas dans le monde entier condamner, voire condamner quelqu'un pour avoir fait un tweet. C'est vraiment déraisonnable et ce n'est pas sérieux. Je vous en prie. On voit tous les jours des tweets circuler sur nos téléphones, nos smartphones. On voit des choses souvent un peu indécentes. On voit des contre-vérités. Pour la contre-vérité, pour la petite histoire, il a été annoncé sur des tweets que le président de l'Assemblée nationale démissionnait, alors qu'il n'en a rien dit. Mais est-ce qu'un tweet, si le temps est-il qu'il vient pour causer des atteintes à l'ordre public, lorsque celui qui poursuit et qui est le même qui a vu ces tweets et qui en a les preuves, est-ce qu'il est décent que cette même personne soit assise à la place du procureur en train de poursuivre, donc étant juge des poursuites et en même temps détenteur des preuves, sans que pour autant il ne soit présenté devant le tribunal pour apporter ses preuves?
La question a été posée. Quand vous parlez, vous posez la question de la légalité, la question de la légalité de la décision qui a été prise. Je m'inscris tout de suite pour dire que la décision ne peut pas être légale. Nous avons posé un préalable qui était celui de la compétence du tribunal, ou du moins de la compétence du président de la chambre des flagrants délits, et donc du tribunal correctionnel. Mais des arguments de poids et de texte ont été opposés à cette compétence. Et dans l'ordonnancement juridique de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas aller outre ces exceptions, quitte à faire un déni de justice. On vous dit, monsieur le président, vous n'êtes pas compétent pour connaître de cette affaire, ou du moins votre chambre ou votre tribunal n'est pas compétent pour connaître de cette affaire. De deux choses l'une. Ou bien vous dites, je suis compétent, donc je parlais du revers de la main, aux exceptions. Ou bien vous dites, vous avez raison, je ne suis pas compétent, alors le procès s'arrête là. Mais lorsque vous ne répondez pas à cette question, alors que la loi elle-même vous l'impose, vous commettez un déni de justice. Ça, c'est un fait. Et puis, la loi de 2005, du 16 juin 2005, nous ne l'avons pas inventée. C'est une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale. Et donc, c'est une loi protectrice de la fonction des anciens membres du gouvernement et même du président de la République. Est-ce que vous souhaitez que cette loi-là soit violée alors qu'elle a le mérite de donner ou de bénéficier à ceux qu'elle protège la plénitude de leur pouvoir dans l'exercice de leur fonction? Aller jusqu'à violer cette loi, c'est au demeurant dire que désormais vous n'êtes plus libre de travailler, mais vous n'êtes plus libre de vous exprimer. Alors qu'on ne peut pas enfermer l'opinion d'un député, tout comme on ne peut pas enfermer l'opinion d'un justiciable, d'une personne, même ordinaire. Parce que ce procès, c'est aussi le procès de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un député de la nation, mais demain, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, cette décision, à tout point de vue, est illégale. Okay. Pour ajouter, je vais peut-être compléter Maître Gerasouan Amin. Concernant le caractère illégal ou injuste de cette procédure, nous ne nous prononcerons pas en détail ici. Ce n'est pas le lieu pour critiquer la décision. Je le disais tantôt, nous avons des griefs contre la procédure et même la décision qui a été rendue. C'est pour cette raison que nous avons saisi, par voie de recours ordinaire, la Cour d'appel d'Abidjan, où nous allons en débattre. Mais en tout état de cause, nous trouvons dommage que dans une république où existent et collaborent différentes institutions, qu'on aille vers une crise des institutions. Parce qu'aujourd'hui, c'est un membre du législatif et un ancien membre de l'exécutif qui a été traduit devant le pouvoir judiciaire pour être jugé. Pour une infraction, excusez-moi, mais qualifiée sous dossier de mineur. Peut-être ça n'aurait pas été Alain Le Bonnon, que la procédure aurait été tout autre. Monsieur Alain Le Bonnon est un homme politique. Il a été ancien membre du gouvernement, il est député, il occupe des fonctions politiques et il est membre d'institutions. Je pense que pour éviter toute, on va dire, crise institutionnelle, le procureur de la République, à mon sens, même s'il y avait matière à poursuivre dans la, de façon, soyons absurde, il aurait pu user de ce droit que la loi lui confère pour donner une autre orientation à cette affaire-là. Le procureur dispose de l'opportunité de poursuite. Vous pouvez commettre une infraction grave, et si le procureur estime que pour des questions de convenance institutionnelle ou juridique, il n'est pas approprié
d'engager telle ou telle procédure, il peut ne pas donner une suite judiciaire à cette affaire. J'aurais été à la place du procureur, j'aurais fait usage, en tout cas, indépendamment même de toute observation quant à l'opportunité, à l'exactitude ou au bien fondé de l'action, j'aurais moi personnellement fait usage de ce pouvoir que la loi lui a conféré. Nous avons saisi la cour d'appel. Je suis persuadé que, ayant une très grande foi en notre justice, la cour d'appel saura distinguer le vrai de l'ivraie. C'est ce que je peux dire sur ce point-là. D'accord. C'est Jean-Président. Je voudrais savoir si vous pouvez donner un nom à ce procès, puisque vous êtes avec les légales, vous pouvez donner un nom à ce procès, comment on pourrait qualifier ce procès? Ma deuxième préoccupation, à écouter Maître Diallo, on a l'impression que vous êtes en train de refaire ici le procès, alors que vous n'avez pas d'auditeur devant vous ici. Alors, à qui s'adresse votre propos liminaire? À des journalistes ou aux professionnels? Ok, très bien. Je pense que votre question est pertinente et ça nous permet d'y répondre aussi. Et puis, ça permet d'éclairer, je dirais, l'opinion de tous ceux qui vont nous écouter par votre intermédiaire. Nous avons voulu faire un procès et comme ça se passe partout, il y a une audience qui s'est tenue. Donc, il était bon que les avocats fassent le compte-rendu, je dirais, un peu de ce qui s'est passé, de l'audience. Pour que les Ivoiriens, et au-delà des Ivoiriens, tout le monde sache ce qui s'est passé. Notre but et notre objectif ici n'est pas de refaire le procès, pas du tout. Je veux dire, notre client a été condamné, mais nous, il était important qu'on vous explique les raisons sur lesquelles nous sommes fondés pour demander effectivement que ce procès, d'abord qu'il n'ait pas lieu, mais que même s'il avait eu lieu, comme vous l'avez constaté vous-même, il devait aboutir à une relaxe de notre client. Et il fallait qu'on vous donne les éléments de droit pour expliquer que voilà le sens dans lequel nous nous souhaitions aller. C'est important, pourquoi? Parce qu'à la suite de l'audience du 29, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de désinformations. Il y a eu la désinformation sur le fait que les avocats aient été récusés. Il y a eu la désinformation même sur le fait que moi j'ai été récusé en tant qu'avocat au barreau de Paris. Alors que mes confrères sont là, pour ceux qui étaient présents, j'ai plaidé. Donc vous voyez, il était important quand même qu'on vous donne toutes ces informations pour dire que c'est sur les éléments, les points de droit précis que nous avons demandé la relaxe de notre client. Parce que nous étions persuadés que nous ne pouvions que l'obtenir. Malheureusement, nous n'avons assisté qu'à un procès pour nous qui est une parodie, une mascarade de procès. Et mes mots sont bien choisis et je l'ai dit le jour même à la sortie du palais. Et je le redis, je confirme que c'est une mascarade, une parodie de justice. Donc nous n'avions pas voulu nous associer à cette parodie, donc nous sommes complices de cela. C'est pour ça que nous, les avocats, en concertation, nous avons voulu, donc nous sommes déportés. Parce que ce n'était pas un tribunal qui permettait effectivement de donner une issue sereine, de rendre une justice sereine, n'est-ce pas, par rapport à l'infraction qu'on reprochait à mon client, à notre client. Et j'ai même dit ce jour-là au cours de l'audience que j'avais mal au cœur d'être à l'audience ce jour-là parce que j'aurais pensé que cette audience n'aurait pas eu lieu, comme l'a rappelé effectivement Maître Diallo. En réalité, le procureur aurait dû user de l'opportunité des poursuites pour dire « je ne poursuis pas cette affaire-là » parce qu'en réalité, il n'y a pas eu d'infraction, il n'y a pas de conséquence effectivement au tweet qui a été fait par le député Alain Le Bonneau qui exprimait certes une opinion, mais une opinion quand même qui était fondée sur des éléments précédents, à savoir que quand on se souvient de ce qui s'est passé, il y a eu plusieurs tweets avant qui ont annoncé, et des messages même sur Facebook, qui ont annoncé effectivement l'arrestation du député Jacques Hérault. Et il n'a fait que relayer une information, mais une information qui a été relayée par bien d'autres. Pourquoi c'est lui qu'on poursuit? Pourquoi c'est lui qu'on incarcère? Là est toute la question. Est-ce que si ça n'avait pas été lui, est-ce qu'on aurait fait tout ce qu'on a fait là? Je ne le crois pas. C'est pour ça que nous, on estime effectivement que c'est une parodie de justice et c'est une mascarade. Donc si on veut qualifier ce qui s'est passé à l'audience, c'est une parodie et une mascarade. Quelle est votre réponse à la question que vous venez de poser? Pourquoi lui? Justement, on est tous en Côte d'Ivoire.
on est quand même, on voit ce qui se passe dans l'actualité politique. On se rend bien compte, et je crois qu'on ne va pas se mentir, sans vouloir préjuger effectivement de la position des magistrats, comme l'a rappelé effectivement tous les confrères ici, ils ont rendu une décision. On ne va pas la critiquer. On va la critiquer devant la cour d'appel. Mais on peut quand même dire qu'il y a un fait qui est objectif. Il a quand même des liens avec le président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première des choses. On peut dire aussi qu'effectivement, nous sommes dans une situation politique aussi tendue. Donc, qu'on le veuille ou non, je crois que chacun d'entre vous ici le constate, le conçoit. Donc, à partir de ce moment-là, on n'est pas étonné que ce soit lui qui soit poursuivi et non une autre personne. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on estime aussi qu'effectivement, il fait partie d'un mouvement MVCI, un mouvement qui est proche aussi du président de l'Assemblée nationale. Donc, pour toutes ces raisons-là, on n'est pas surpris que ce soit lui et non un autre. Maintenant, cela ayant été dit, on se pose la question de savoir pourquoi les juges ont décidé de ne pas répondre à notre question. Et nous situons sur un point de droit. Là, on n'est pas en train de tirer des conséquences rien que sur des faits, mais sur un point de droit. Parce que, les confrères l'ont rappelé, le code de procédure pénale fait obligation au juge de se prononcer sur sa compétence. C'est une règle d'ordre public, je viens de le dire. Le code de procédure pénale lui fait obligation de se prononcer et de dire oui ou non, est-ce qu'il est compétent. C'est tout simplement ce qu'on lui demandait. On ne lui demandait rien d'autre. Donc, à partir du moment où il estime qu'il n'est pas compétent, il dit « je ne suis pas compétent, je ramène l'affaire devant le juge qui est compétent ». À ce moment-là, on serait allé devant le juge compétent et on aurait débattu de l'affaire. Mais non, il dit « non seulement je ne réponds pas à votre question, mais je décide de condamner votre client bien qu'il soit seul et qu'il n'ait pas eu l'assistance de son conseil. Non seulement de ceux qui se sont déportés, mais d'un autre conseil. Donc c'est ça que nous critiquons. Et ça, c'est critiquable. Et ça, c'est critiquable. Oui? Ce que je voulais dire à la suite de maître, puisque j'ai été interpellé, loin de moi, toute intention de refaire le procès auquel je n'ai pratiquement pas participé. Parce que dès l'entame, on a dû nous retirer. Mais une chose est certaine, en droit ivoirien, même au niveau de la police, toute personne qui est convoquée a le droit de se faire assister par un avocat. C'est un droit qui est aujourd'hui reconnu à tous. Alors, si on n'est même pas au niveau de la police, qu'on est devant un tribunal de jugement, que pour des questions, on va dire, de technique procédurale, les avocats décident de se déporter. Mais le prévenu est venu accompagné d'avocats et il était assisté par des avocats. Au moins, on lui offre la possibilité de se prendre d'autres avocats. Nous étions à peu près 8 ou 9 avocats pour soigner les intérêts de M. Alain Le Bouillon ce jour-là. Pour parler de Côte d'Ivoire et celui de la France, je peux vous dire qu'il y a plus de 30 000 avocats. Rien qu'en Côte d'Ivoire, il y a à peu près 500 à 600 avocats. En France, c'est plus d'une trentaine. Dans le monde, enfin, il peut se prendre des avocats avec tous les pays qui ont des... Il a le droit de prendre des avocats avec tous les pays qui pratiquent, qui a la pratique judiciaire réciproque avec la Côte d'Ivoire. Donc, il était important qu'on souligne cela. Nous sommes partis parce que nous avons décidé de ne plus défendre, enfin, de ne plus assister à nos clients en raison des difficultés techniques que j'ai soulignées tout à l'heure. Le tribunal aurait dû lui permettre d'avoir un avocat. Vous avez tous été témoins. Notre client était seul. Il était seul avec le procureur et les juges. Sans avocat. Ça, c'est un fait. La décision qui est sortie de cette procédure-là, d'après ce qu'il nous a dit, il a invoqué son droit au silence. Naturellement. C'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit que quand nous sommes partis, que le président, ou bien enfin, le tribunal a voulu l'interroger, il a dit compte tenu du fait qu'il n'avait pas d'avocat ou que ses avocats s'étaient déportés, il invoquait son droit au silence. C'est une interpellation, c'est un appel qu'il faisait au tribunal pour lui permettre d'être assisté par un avocat. Surtout que ce n'est pas une instance politique, le tribunal.
c'est une tribune judiciaire où il y a des techniques de droit qui doivent être démontrées ou débattues. C'est ce que nous avions commencé. Il s'est retrouvé seul, sans avocat. Donc, quand vous nous demandez de qualifier ce procès, moi, je vous renvoie la question. Je vous renvoie votre question. Vous avez parlé de parodie de justice, de procès politique. Vous saisissez la cour d'appel. Qu'est-ce que vous pensez avoir gain de cause? C'est la première partie. Au cas où, mais pas gain de cause, que comptez-vous faire? D'accord, très bien. Alors, sur cette question, évidemment, je crois que nous l'avons aussi dit, hein, à savoir qu'on avait foi en la justice de notre pays. Parce que ça, il faut quand même le rappeler et le relever. On a foi en la justice de notre pays. Et à ce titre-là, donc nous avons effectivement interjeté appel. Donc nous avons fait une déclaration d'appel et nous allons, au jour fixé donc de l'audience, nous allons aller devant la cour d'appel pour débattre d'un point de droit que nous estimons effectivement avoir été violé et demander la relaxe de notre client. Et on ne peut pas préjuger de ce qui va se passer devant la cour d'appel déjà. Mais par ailleurs, il faut savoir que nous avons la possibilité au niveau régional et au niveau africain, n'est-ce pas, de saisir la cour de la CEDEAO et nous avons la possibilité de saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Et nous allons user de cela. D'autant que dans ce dossier-là, et ça je tiens à le rappeler parce qu'on ne l'a pas dit, notre client a bénéficié effectivement d'une déclaration qui a été faite par plusieurs organisations internationales. Nous avons l'Union interparlementaire qui a fait une déclaration pour demander effectivement sa relaxe. Nous avons également l'Assemblée de la, parlementaire de la francophonie qui a fait une déclaration pour demander sa relaxe. Et nous avons enfin Amnesty International qui a fait une déclaration pour demander sa relaxe. Aujourd'hui, j'ai appris effectivement avant même cette rencontre que les partis politiques, 25 partis politiques, avaient appelé effectivement à une relaxe aussi de M. Alain Le Bougnon en sa qualité de député. Donc je pense qu'au regard de tout ça, c'est pour dire que ce que nous avocats, nous suivons, évidemment, nous sommes dans notre bon droit et nous allons le démontrer donc devant la cour d'appel. Le bureau de l'Assemblée nationale ivoirienne a demandé la cessation des poursuites contre M. Evo et le Bougnon. C'est ça. Comment est-il possible que la justice ait quand même été outrepassée? C'est ça. Ben, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes surpris de l'audience d'abord. Il y a eu une date d'audience qui a été fixée. Bon, on peut à la limite dire que la date d'audience a été fixée alors même que l'Assemblée nationale ne s'était pas encore réunie en son bureau pour prendre cette décision-là. Mais dès l'instant où le procureur a reçu notification de la décision de l'Assemblée nationale, en réalité, cette audience n'aurait pas dû voir le jour. C'est ce que je vous ai expliqué. Elle n'aurait même pas dû voir le jour. Parce que dans une autre affaire, exactement le 29 janvier 2018, un autre député de l'Assemblée nationale avait fait l'objet de poursuites. En flagrant délit. Et ensuite, a été donc écroué à la MACA. Il a fait l'objet d'un mandat de dépôt, ensuite écroué à la MACA. C'était exactement le même cas. Et ce député-là, dès l'instant où le procureur a reçu la décision du bureau de l'Assemblée nationale, il a interrompu toutes les poursuites et le député a été donc relaxé. Un 29 janvier. Et figurez-vous que lorsque la décision a été prise au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, c'est un vice-président qui présidait les travaux. Et je l'ai rappelé d'ailleurs. Or, aujourd'hui, c'est non seulement le président de l'Assemblée nationale lui-même qui a présidé effectivement les travaux du bureau de l'Assemblée nationale et qui a pris la décision. Donc nous avons été, nous, fort étonnés que malgré cela, notre client a été donc jugé à cette audience du 29 que vous avez tous suivi. Donc c'est important de le dire. Et quand on parle de parodie, de justice ou alors de mascarade, en tout cas pour ce que nous avons vu, on ne le dit pas parce qu'on veut faire de la politique, pas du tout. On ne le dit pas dans ce sens-là. On le dit parce que c'est une réalité. Vous voyez que même vous êtes surpris. Donc effectivement, à partir du moment où des règles les plus élémentaires du droit de la défense sont violées à ce point-là, quelle est la réponse à toutes ces violations? Si ce n'est de se dire, mais en fait, on n'a pas assisté à une justice sereine.
On n'a pas assisté à une justice qui permettait effectivement au client de se défendre par le biais de ses avocats. On a assisté à une justice qui était complètement biaisée. Et je viens de vous dire les rumeurs. Qui entretient ces rumeurs? À savoir que les avocats n'ont pas pu plaider, ils ont été tous recusés. Mais non, nous avons tous plaidé. Et puis on n'a même pas été recusés. En réalité, les gens emploient les termes de façon maladroite. On ne recuse pas l'avocat. On peut demander effectivement que l'avocat ne puisse pas se prononcer, prendre la parole, mais on ne peut pas recuser un avocat. C'est un juge qu'on peut recuser, c'est un témoin qu'on peut recuser, mais pas un avocat. On demande qu'il ne prenne pas la parole. Et en l'espèce, dans mon cas, le procureur a voulu s'essayer à cela, a décidé que je ne prenne pas la parole parce que je suis avocat au barreau de Paris. Et j'ai un confrère, un ancien membre du Conseil de l'Ordre, qui lui a rappelé très clairement les règles qui existaient, les règles de coopération internationale qui existaient entre la France et la Côte d'Ivoire. Règles qui prévoient qu'un avocat inscrit à un barreau français, qu'il soit de Paris, de Marseille, de Poitiers, n'importe quel barreau, peut plaider en Côte d'Ivoire de la même manière qu'un avocat au barreau d'Abidjan peut plaider en France. La seule condition, parce que c'est la réciprocité, la seule condition, c'est que cet avocat, qu'il soit donc de France ou de Côte d'Ivoire, puisse élire domicile auprès de son confrère qui réside dans le pays. Moi, j'ai élu domicile auprès donc de mon confrère Maître Diallo. Donc, à ce titre-là, je pouvais plaider. Et vous avez vu que pour ceux qui étaient à l'audience, il y a eu une protestation mais unanime de tous les avocats, pratiquement de 35 avocats qui s'étaient offusqués de cela. Et j'ai même rappelé au président du tribunal, parce qu'il est passé outre la question de la requête du procureur pour me demander de plaider. Je lui ai dit non, il était quand même important que je revienne là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est une méconnaissance non seulement de ces règles que je viens d'évoquer avec vous, mais ensuite, c'est une méconnaissance de l'histoire de notre pays. Mais Maître Stasi, Mario Stasi, qui est venu plaider dans le dossier concernant l'ancien président Laurent Gbagbo, il était de quel barreau, dites-moi? Il était de quel barreau? Du barreau de Paris. Donc lui, il a le droit de plaider, et moi, je n'ai pas le droit de plaider. Donc, vous voyez, à partir de ce moment où, pour de simples questions de plaidoirie d'un avocat, c'est remis en cause, ça augure de ce qui va se passer pour la suite. Donc nous n'avons pas été étonnés de la décision qui a été rendue en l'absence des conseils donc de M. Alain Lobonio. C'est important de le dire, parce que manifestement là, il y a une violation flagrante des droits de la défense. Parce que qu'est-ce que c'est les droits de la défense? Ce sont des prérogatives qu'on donne à une personne pour se défendre au cours d'une instruction, pendant la phase de jugement, à tout moment. Et ces règles, il y a plusieurs règles, évidemment. Il y a les règles d'avoir la possibilité d'avoir un avocat. Il y a les règles de bénéficier, effectivement, d'une expertise, s'il le demande, dans le dossier. Il y a tellement de règles qui concernent les droits de la défense. Mais en l'occurrence, la règle la plus élémentaire, c'est celle de se faire assister par un avocat à toutes les étapes de la procédure, que ce soit effectivement devant la police, que ce soit devant le juge d'instruction, que ce soit devant le procureur lui-même, lorsque nous sommes dans le cadre d'une flagrance, puisque c'est lui effectivement qui met en mouvement l'audience, et que ce soit devant le jugement. Mais notre client n'a pas bénéficié de cela. Et ça, je pense que c'est extrêmement grave. C'est pour toutes ces raisons, n'est-ce pas? C'est pour toutes ces raisons, enfin, que nous estimons effectivement qu'il y a eu une parodie de justice. Et que donc, c'est devant la cour d'appel. Sans vouloir commencer à évoquer les éléments que nous allons défendre devant la cour d'appel, je pense qu'il est important de vous dire ce que nous vous avons dit aujourd'hui. Et nulle intention de notre part de faire, évidemment, un nouveau procès, pas du tout. Mais c'est de vous expliquer tout cela et que les gens se rendent bien compte que nous parlons uniquement de droit. Uniquement de droit. C'est de ça que nous parlons et pas d'autre chose. Bien sûr, on a évoqué certaines questions, à savoir la proximité entre notre client et le président de l'Assemblée nationale, le fait que la décision du bureau de l'Assemblée nationale n'ait pas été respectée dans ce cas-ci, alors que ça l'a été il y a un an, on se pose la question. Parce que s'il n'y avait pas eu ce cas, à la limite, je me serais dit, bon, ben tiens, peut-être qu'effectivement, c'est parce qu'ils ont décidé que le bureau de l'Assemblée nationale n'avait pas rendu telle décision. Mais il y a eu exactement la même chose il y a un an, on a libéré le député. Pourquoi, dans le cas du M. Alain Lobonio, on ne le fait pas? Voilà toutes les questions, il était important de le partager avec vous. Est-ce que vous avez pu voir votre client depuis sa condamnation et dans quel état moral et physique est-il? Nous avons vu notre client le jour même,
le jour même, évidemment, de l'audience, après la condamnation, nous avons vu notre client, nous avons discuté avec lui, et nous l'avons vu également hier, il me semble, hier, et aujourd'hui, nous allons le voir. Après cette conférence de presse, nous allons également le voir pour discuter avec lui, et puis, bon, évidemment, lui apporter tout notre soutien, et puis l'informer, évidemment, des différentes étapes de la procédure, de la stratégie de défense. Non, celui-là, il a le moral. Il a le moral. Foi à la justice. Hein. C'est lui qui nous a expressement demandé de relever appel de la décision. Mm-hmm. Parce qu'il est persuadé qu'au bout du tunnel, le droit sera dit dans sa plénitude. Non, on n'a pas de date. C'est ce que je vous disais tantôt. L'appel ne dépend pas de nous. Si ce n'était que ça, je vous aurais même invité vendredi à venir, ou bien lundi à venir au procès. Ou bien même avant, on aurait fait appel au procès. L'appel dépend encore une fois du procureur de la République et du tribunal. Parce qu'il faut que le tribunal rédige sa décision, transmette le dossier au procureur, qui lui va saisir le parquet général de la cour d'appel pour programmer une audience devant... une chambre correctionnelle de la cour d'appel. Donc on est tributaire de la diligence. Est-ce qu'il poursuit ça? J'ai une préoccupation concernant la non-assistance du conseil au client au moment de sa condamnation. Parce que dans la même période, vous dites que vous êtes sorti de l'audience, donc vous avez décidé de sortir de l'audience. De nous-mêmes. De vous-même, et par la suite. Le tribunal condamne votre client pour votre absence. Mm-hmm. Est-ce que ce n'est pas la conséquence de votre retrait qui occasionne sa condamnation en votre absence? Non, si c'était le cas, ce serait très grave. Ça n'a absolument rien à voir. Le tribunal est la règle en la matière. Le tribunal peut même vous juger même en votre absence. Mm-hmm. S'il estime qu'il a les éléments à même de vous juger, mais le règne, lorsque vous exprimez votre volonté, enfin votre décision d'être assisté d'un avocat, le tribunal doit en tenir compte. D'ailleurs même, les acteurs de la poursuite, que ce soit la police ou le procureur, ils ont l'obligation, selon le code de procédure pénale, d'interpeller tout un chacun qui est poursuivi au niveau du tribunal, de son droit de se faire assister d'un avocat. Voilà. Donc, en réalité, pour compléter la réponse donnée par mon confrère, ce qu'il aurait fallu que le juge fasse ou le tribunal fasse, c'était de lui dire, dans la mesure où vos avocats se sont déportés, et je rappelle que nous nous sommes déportés avec en discutant avec notre client, nous lui avons dit, nous avocats estimons que les règles du droit sont tellement violées qu'on ne peut pas continuer à assister à cette audience-là. Nous nous sommes déportés. Donc il aurait fallu que le juge dise au client, dans la mesure où vos avocats sont partis, est-ce que vous voulez prendre d'autres avocats? Auquel cas notre client aurait dit oui, je veux d'autres avocats. Il aurait pris d'autres avocats qui seraient venus et qui l'auraient assisté. Absolument. Et ensuite, il y aurait eu donc la décision. Mais ça n'a pas été le cas. C'est ça qui est grave. Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que le juge a rendu sa décision, enfin le tribunal a rendu sa décision, puisque c'est quand même collégial, il a rendu sa décision en l'absence de tout conseil. Donc ça c'est important. Et on ne peut pas dire, oui parce que vous êtes sorti, donc le juge n'avait pas le droit. Mais si c'est le cas, c'est que c'est extrêmement grave. Ça veut dire que finalement, vous arrêtez quelqu'un, il passe en comparution, bon j'ai failli dire immédiate. Parce que j'ai effectivement... Ça aurait dû être immédiat. Oui, ça aurait pu... Vous le faites. Mais quand vous le faites là, sans respecter effectivement ces règles-là, écoutez, c'est quand même grave. La personne peut même attaquer votre décision au niveau de toutes les juridictions nationales, donc à la cour d'appel et tout ça, et puis au niveau donc de la Cour africaine des droits de l'homme. Ce que je vais ajouter, ce qui est encore plus paradoxal, c'est que les débats étaient plus ou moins courtois. Mmh. Il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de... clash, il n'y avait pas de tension. Le président du tribunal, les membres du tribunal... était serein, les débats étaient courtois. Mm-hmm. Il n'y avait pas d'hostilité ou de belligérance entre les différents acteurs. On avait souhaité simplement qu'un certain nombre de questions soient réglées. Pas forcément dans notre sens. Le tribunal aurait pu même dire, vous avez tort. Mais qui aurait poursuivi l'audience. Il y a des règles. Vous savez, on vous dit, voilà un parcours. Vous ne pouvez pas arriver au point A
enfin au point B, au point C sans passer par le point B. C'est pas possible. On demandait simplement que le tribunal rende une décision là où la loi lui oblige pour avancer. Voilà. Donc, c'est pas la suite d'une bagarre ou, je dirais, d'hostilité, machin, qu'on s'est déporté. Non, 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 c'est pour des questions techniques. Et on a voulu rester en phase avec notre stratégie de défense, qui était que si les règles sont respectées, les règles de procédure sont respectées, on le fait. Encore une fois, nous sommes des avocats, des techniciens de droit. Nous ne sommes pas des, excusez-moi l'expression, des margouillards. Voilà, nous sommes des avocats, il y a des règles. Et si les règles ne sont pas respectées, il est dans notre droit de dire, nous ne participons pas. Que ce soit devant un tribunal ou devant un juge d'instruction, de l'avocat a ce droit. Voilà. Et on en a fait observation. C'est ça. On espère que la décision qui va être rendue, parce qu'on ne l'a pas vue, et que cette décision tiendra compte de nos observations et de nos positions. C'est pour toutes ces raisons que nous avons saisi la cour d'appel à la demande de notre client. Et puis je rajouterai, excusez-moi, juste pour finir avec sa question, je rajouterai qu'en réalité, tout à l'heure, je crois peut-être certains d'entre nous, on a dit qu'on voulait être entendu par le juge. Le fait de dire qu'on voulait être entendu par le juge ne veut pas dire qu'on voulait que le juge prenne forcément notre position. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc c'est important de le dire. C'est voilà. Même très bien que vous posiez cette question. Voilà. Parce que les gens m'ont dit, ah oui, vous vouliez que forcément il aille dans votre sens. Le juge se prononce sur la question qu'on lui avait posée. Il aurait pu dire... Nos observations ne sont pas bien fondées. Écoutez, voilà, vos observations ne sont pas fondées en droit. Moi, j'estime que je suis compétent. Mais vous ne pouvez pas nous dire, non, j'attrais au fond les exceptions de nullité et le tout, je prends une décision. Non. C'est le code de procédure, cette question de droit, logique, de logique. Oui, on dit votre compétence à vous. On dit vous ne pouvez pas connaître de l'affaire. Vous ne pouvez pas connaître de l'affaire. Vous ne pouvez pas aller au fond. Vous dites... Avant de me prononcer si je dois connaître ou pas de l'affaire, connaissons d'abord de l'affaire, et puis après, et puis après je vous dirai si je dois connaître ou pas. Non, quand même. Non, j'ai dit sans être juriste forcément. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est trivial. Juste une précision. Vous parlez de proximité. Vous l'avez dit, peut-être sans pouvoir le dire, vous parlez de proximité du député Le Bonnier avec le président Soro. Est-ce que c'est ce qui a motivé la décision? Est-ce que vous voulez dire clairement que, puisque vous parlez de mascara, de parodie du. Vous voulez dire clairement, moi je l'ai dit, en l'occurrence que c'est un procès politique. On vient de passer tout le temps à démontrer que, un, l'affaire n'aurait même pas dû faire l'objet d'une décision, d'un procès en justice, premièrement. Deuxièmement, que toutes les règles en la matière de procédure ont été bafouées pour aboutir à une condamnation, mais incompréhensible. On peut dire alors à ce moment-là. C'est bien, bel et bien, un procès politique. Parce que si on s'en tenait qu'au droit, comme nous l'avons voulu, en regardant les règles du droit, franchement, notre client ne devait pas être condamné. C'est ce qu'on dit. Ce que je peux dire à la suite de mettre en bas, qu'on ne nous ait pas perdu de notre mission dans le cadre de ça. De quoi je parle? Parce que, j'ai le fond de la question, les avocats n'ont pas pris part au débat. Donc, vraiment, je vous invite à attendre la procédure en appel et de la suivre. Parce qu'en ce moment-là, vous verrez le bien fondé de la position de Maître Bamba ou de ceux qui estiment que c'est pas. Et donc, je vous mets à l'aise. Rendez-vous devant la cour d'appel d'Abidjan. Oui, oui. Et puis surtout, Pardon ? Poursuit sa grève de la faim. Et puis ce que je voulais dire. Il ne s'alimente pas, mais il boit. Il boit, voilà, c'est ça. Il boit et puis voilà. Il ne s'alimente pas. Vous avez dû même constater par son allure et son état, le jour de l'audience, il est faible. Et ce que je voulais dire aussi pour compléter, c'est que quand mon confrère parle de vous rendre compte au moment de l'audience d'appel, c'est que jusqu'à présent, au moment où nous vous parlons, aucun des avocats de M. Alain Le Bonnier n'a eu communication des pièces concernant le trouble à l'ordre public. C'est important qu'on vous le dise. Aucun avocat, aucun conseil, d'ailleurs aucun membre du collectif d'avocats qui assure la défense des intérêts de M. rapproché d'autres collègues à vous, qui eux ont participé à l'audience, qui ont même pris des notes. Hein. J'ai vu pas mal qui étaient là, qui ont pris des notes. Heureusement, on a été interrompu
dans ce que nous étions en train de faire, ce qui ne nous a pas permis d'aller jusqu'au bout de notre mission. Et ça, c'est dommage. C'est dommage tant pour notre client et c'est dommage.